ministères dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Tout d'abord, mon Dieu, bon Dieu, merci vraiment. C'est une grâce que bon Dieu fait nous. Pour nous capables là, matin. Jean-Pasteur Brière te dit tout à l'heure, donc, ces derniers temps, bon Dieu, te fait une autre expérience avec nous. Et m'habitue avec l'église là, vraiment. Faut me dire que mois de novembre, vraiment que famille a grandi, même quand on est nous là en quatre. Mais famille a grandi, nous c'est nous cinq. Bon Dieu, bon, moi, un dernier petit garçon. Moi, je dis bon Dieu, merci pour ça. C'est pas facile du tout. Je vais vous donner plus de temps, l'autre pour nous avoir des difficultés que nous avons rencontrées. Mais bon Dieu, fait grâce. On a deux filles et un garçon. Également, semaine se passer là, le mois de janvier. C'est pas bien du tout parce que madame a été fait 5 jours hospitalisée à l'hôpital. Donc c'est ça que l'on regarde, bon Dieu, vraiment. Mois de janvier, ça fait 5 jours à dormir à l'hôpital. Et puis, regardez, dans le même mois de janvier, nous sommes ensemble là, on n'a pas adoré. Mais c'est peut-être ça, dans un moment vraiment qui est dur, à dormir à l'hôpital, à monter, descendre, acheter des médicaments, monter, descendre. Là, qu'on connaît que son temps, il est son pont, mais qu'on est bon Dieu, il faut traverser quand même. Et c'est peut-être ça, me dit, bon Dieu, merci. Et il me dit, à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Invitez-nous si nous sommes capables de camper ensemble pour nous faire l'étude. Dieu. On a pris deux portions d'écriture. On a pris ensemble 1 Samuel 17, verset 32. 1 Samuel 17, verset 32. Après ça, on a pris Néhémie 6, verset 9. Commencez avec 1 Samuel 17, verset 32. Vous y êtes? 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et deuxième lecture, nous venons dans Néhémie 6, verset 9. Néhémie 6, verset 9, rapidement. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Parole du Seigneur, nous mettons Chita. Mes frères et sœurs, sujet que nous avons gagné pour matin, c'est sujet annuel l'église là, qui c'est que personne ne se décourage. Pas de monde qui l'a dit pour moi, pas de courage, attendez. Pas de l'autre monde l'a dit, pas de courage, attendez. Décourager, c'est quoi? Décourager, c'est perdre courage. Décourager, c'est l'on perdu en fermeté pour résister à ton problème. Ou soit on perdu fermeté au terrain pour résister en face à une situation. En plus, nous là, une fois ou bien deux fois, ça arrive que nous décourager. Gagner de l'école, il bon côté, la étudier, c'est vrai. Mais là, il y a des situations payantes, là, il y a des difficultés par un gain. Des fois, il décourage, il n'y a pas envie d'étudier encore. Il dit, pas même connaître si ma passé, je même connaître si ma carte en fiche pour mon examen. Des fois, même mon élève l'école, il est découragé à la vie. Il y a mon cap travail, il rencontre tellement de persécutions dans le travail. Il y a tellement de travail difficile pour eux, ils vont côté eux. Découragé, le découragé. Il y a tout qui ont maladie. Maladie a tellement dû pour mon nom, chaque fois mon nom, ouais, maladie a pas jamais qu'à passer, la prendre médicament, la monter, descendre l'hôpital, finalement mon nom, découragé. Même leader qui est dans le ministère, des fois, on découragé. Leader, pasteur, dit que quand ils vont côté, on découragé. Il y a un leader qui est tellement blessé. Par membre de l'église, il y a tellement de mauvais bagages, il y a tellement fait mal que nous, quand nous vont côté, nous décourager pour préparer l'étude, nous décourager pour la prêcher, nous décourager à la vie. Tout le monde, quand nous vont côté, nous décourager. Mais le message matin, ça me dit, mon frère, le message matin, ça me dit, ma soeur, pas décourager. C'est ça, mon Dieu, veut dire, malgré toutes circonstances qui sont capables de paraître devant, ou pas de décourager. Ça, si vous pouvez connaître, ou pas de décourager. Maintenant, pour nous pas décourager, question à poser de nous, il faut nous donner l'or et nous vivre décourager. Mais qui ça qui fait nous décourager comme ça? Qui bagaille dans la vie
qu'on fait nous décourager. Et dès pour identifier ça qui fait pour nous décourager, déjà ou presque gagne bataille là parce qu'on va comprendre comment pour agir sur lui. Ça Dieu c'est normal même pas même ouais, pas même comprendre qui ça qui capable faire ou décourager frères et sœurs. C'est peut-être ça le message du matin, nous va regarder ensemble qui ça qui capable qui souvent fait ou décourager. Nous va voir trois bagages qui souvent fait monde décourager. Après ça, on va regarder ensemble rapidement cinq bagages tout court qui permettent que ou même leur face au découragement pour pas quitter découragement aller ensemble avec vous. Bon Dieu béni. Amen. Qui ça qui souvent fait nous décourager? En pile nous l'a dit nous quand décourager. Mais qui ça qui souvent fait nous décourager? Premier bagage là, c'est ça n'a tendé avec ça n'a gardé. Ça va tendé à ça va garder c'est lui-même en premier qui fait ou décourager. Parole yo avec ça va garder. Exemple, on fait nouvelle. Tout le monde dans toute radio dit 2021 pas bon, 2021 pis mal. Tout commentaire, tout le monde qui a parlé sur radio, tout le monde voit la radio dit 2021 pas bon, pas bon. On attend bien, on attend bien, on attend bien. Les fois ça même un conseil de projet ou qu'un bagage ou besoin réaliser mais à force on attendait ça mon a dit ou même on vient accepter que 2021 pas bon alors que bon Dieu c'est 2021 qui est décidé pour passer avant ou même on vient accepter que 2021 pas bon et puis on décourage. Ça on attendait grand pile importance frères et sœurs. C'est peut-être ça c'est pas toute bagage pour accepter attendez. Il y a des choses qui sont tendues, ou même faut dire toujours l'autre parole pour changer ce que vous entendez. Parce que son parent nous compte, ou apprêter la donne, et puis son parent nous compte pour décourager. Et décourager, frères et sœurs, fait mon pari rien dans la vie. Il y a des gens qui ont passé découragement à la belle, qui ont dormi prendre, qui ont passé interview, qui dit que son monde parle à prendre, alors que mon Dieu était réservé le travail ça pour lui. Il ne faut pas quitter décourager. Moi, je dis, premier bagage, c'est ça. Tendez à ça, on va. Mais qui, j'en ai dit, ça va prouver à tout. Des fois, on regarde les gros problèmes qui devant là. On regarde les difficultés qui en face soi. On regarde les pages de mon enfant qui dépasse l'étape ça. Pages de mon enfant qui réussit. On regarde les gros problèmes là. Ça seulement suffit pour décourager. Ou un problème là tellement grand. Eh bien, vous même vous découragez. Eh bien, frères et sœurs, m'a dit où ça? Pas qu'à des gros problèmes, mais qu'à des grosseurs pour Dieu. Pas qu'à des grosseurs problèmes, mais qu'à des problèmes tout petit. Et nous comprenons dans le texte, nous sommes là. David, tu comprends ça? Non. Verset 10 à 11, qui ça nous est? Goliath présenté devant David. Déjà, il y a une description de Goliath, ou qui est en ouais. Israël peur, tout le monde peur. Yo couri. Pour qui ça? Non seulement les a gardé grosseur nèg là, yo bay description tout ça sous lui. Donc Dieu yo bay en réalité, yo wè réalité, yo peur et puis yo découragé. Deuxième bagarre là, Goliath a parlé. Il dit yo que yo pas rien, que c'est esclave, il va finir avec yo et cetera. Parole la dit yo découragé mon yo. Parole la dit yo fait au peur et parole la dit à être découragé. Donc ça entendez avec ça ou regarder ces bagages qui capable fort décourager. Deuxième bagage qui capable décourager encore frères et sœurs, c'est un manque. Les difficultés ont venu, premier côté ont venu vraiment, c'est un côté qui pour pousser ou pour pas prier. Ou vient pas prier, ou vient lourd dans la prière et puis découragement vient ou mal pour prier. 10 minutes de prière paraît une éternité pour vous. Les prières faites par équilibre pour amen dans vini. Mais pour ça, si on manque la prière, qui est capable. Mais pour manquer la prière, on a une petite chance pour décourager. L'autre facteur encore, frères et sœurs, c'est le manque de connaissance sous parole, mon Dieu. L'homme manque de connaissance, ou à vivre ces deux situations, sous pas connaître qui sa parole, mon Dieu, dit, ou à décourager. Parce que une menace ennemie à faire, des bagailles qui apparaissent devant, c'est avec la parole de Dieu pour capable vaincre. Si vous pas bien la parole, si vous pas comme qui ça bon Dieu dit, et bien n'importe ça mon dit, ou quoi? L'homme ne dit pas rien, ou d'accord. L'homme ne dit pas fin mourir dans pays ça, ou d'accord. L'homme dit pas que mon capé ici dans pays ça, ou d'accord. Pour qui
dit ça parce que ou pas connaît qui ça la parole de Dieu dit sur la vie. Donc manque de connaissance, manque la prière avec l'autre soit garder soit tendre, il fait que ou en pile fois les sont découragés. Frères et sœurs, mais qui ça nous veut faire pour nous capable prendre courage encore. Moi je nous ça que en pile monde pas réaliser des bagages dans vie, c'est parce que vous êtes allé par découragement. Bon Dieu décide de délivrer mon âme, mais lui-même dit garder réalité à l'équité, découragement pareil. Premier bagage là, nous venons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit nous, priez sans cesse. Est-ce qu'on a dit ça ensemble avec moi? Priez sans cesse. Frères et sœurs, je vous dis pour qui ça pour prier sans cesse. Et la parole de Dieu nous fait toutes sortes de prières aussi. L'homme qui a prié, c'est prier sans cesse. Parce que je vous dis franchement, pourquoi tu as prié, vous n'avez pas prié. Ou si on se souille, ou pas capable de prier. Donc, laisse ça son petit coup de prière, ou à faire un petit coup de prière, ça, il doit y faire. Pour qui ça? Parce que vous avez des bagages, vous avez des provisions de prière. Moi-même, je fais expérience là dernièrement, pas caché. Je suis dormi à madame à l'hôpital, on m'a dit, le docteur a dit, allez acheter ça, ou allez acheter ça. Après, puis monte la machine, on descend, il y aurait le retour, il y aurait besoin de la bagaille, nous, côté de capier. Côté de capier. Ma marche comme si Seigneur dirigeait mon pharmacie, Seigneur dirigeait. Ma monte, ma descend, ou coucher, ou lever, ou par contre, ou pas capier, mon Dieu. On m'a dit seulement, mon Dieu, agis. Amen. Dis Seigneur, non, mon agis. Pas qu'à le sac pour me dire que je vais aller dans l'hôpital, je vais prendre sac pour me mettre dans l'église, je vais prier. Non, mon moment, pas qu'à faire ça. Non, mon moment, pas qu'à faire ça, frères et sœurs. Et dans mon moment, je dis non, ou pas, ou faire mes jours, ou pas dormir, parce que, faire n'importe 5 jours, pas dormir, ou à monter, ou à descendre, ou bien si, il y a un bébé en même temps, qui était dans l'aide, ou obligé de courir, qui était dans l'aide exclusive, courir à retirer dans tété, pour acheter l'aide balle, ou à monter, ou à descendre, ou pas capable. Mais là, ça pour gagner, c'est pour connaître que pendant que dans ces circonstances-là, on va prier sans cesse. Amen. Ou pas entre l'église, on va aller à genoux, mais pendant que je marche, je prie, je dis Seigneur, dirige le côté pour aller. Seigneur, je ne vais pas me prendre un médicament, ça. Seigneur, je connais même si moi, maladie à la mer, je guéris déjà. Donc, tu as dit, je vais acheter un médicament, je vais acheter le même pour nous guérir, madame, déjà. Dans le moment, prier sans cesse, là, c'est ça le veut dire, pour Dieu faire comprendre ça. C'est pas pour ça que mettez fait journée, hein, mais prier sans cesse, c'est dans tout ça on fait ou en prière. Ou à prier par l'esprit. Ou à adorer mon Dieu en esprit et en vérité. C'est pour prier sans cesse, frères et sœurs. Ou à l'eau, on n'est pas capable de prier, c'est les sacs qu'on est prié à plus nécessaire. Lorsqu'on commence à prier, gros niveau, mon Dieu besoin de jouer nous dans la prière là. Tout va nous secret ça. Dès que vous prenez la tête niveau ça, vous bagay qui vient déranger dans la prière. Gros niveau, mon Dieu besoin de vivre avant dans la prière là. Pendant que vous prenez la tête niveau ça, pour tout frapper. Pendant que vous prenez la tête niveau ça, téléphone vous sonne. Pendant que vous prenez la tête niveau ça, vous attendez où vous venez demander un bagay. Les gens sont intelligents. Dès que vous sentez que vous prenez la tête dans la prière, vous sentez que vous montez l'intensité et pour bagay vous déranger, continuez dans la prière, frères et sœurs. Parce que il y a plusieurs étapes dans la prière. Mon niveau qui vient dans la prière, même nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas connaissance de nous-mêmes encore. C'est prier, prier, prier. Et c'est dans le niveau ça que Dieu m'a dit. Et c'est dans le niveau ça que prier ou que Dieu va faire prier pour l'autre monde. Ou ils vont pouvoir prier pour tête ou venir jeûner parce qu'il y a un problème. Et puis quoi de niveau ça? Bon Dieu, tout prier pour l'intérêt, prier pour l'intérêt, prier pour l'intérêt. Tout le monde, mon Dieu, nous a délivré, nous a prié pour eux. Et puis allez ça même délivrer. Et pendant lui-même l'a délivré, on a travers lui-même, et puis lui-même l'a tout passé niveau sort des besoins. Mais niveau ça, il faut pas prier sans cesse, frères et sœurs. Deuxième parallèle, c'est méditer la parole de Dieu. Dans Josué 1er, verset 8, il dit nous que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Réussis tout le besoin, il dépend de méditation de la parole. Frères et sœurs, la Bible, avec la technologie, il est tellement plus facile. Parce que même les gens qui parlent de l'écouter, ils attendent la Bible. Il y a la Bible de Dieu. Les gens qui ont un téléphone intelligent, ils téléchargent la Bible de Dieu à son lit, l'air est mis, la vente, la tendez. Il y a des gens qui ont la Bible pour lui. Ils veulent Matthieu, ils mettent la Matthieu, la tendez.
ou même qui qu'on lit tous frères et sœurs, méditez la parole de Dieu. Ouais, chaque jour, on lit la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on bagaille, on découvre en plus. Jean 3:16, on va rencontrer Jean 3:16 des poutés de Simon dans l'école du dimanche. Pourtant, on lit, on médite et on message de Dieu besoin pour vous. Et à qui vient cette servir, c'est bien même Jean 3:16 ça. Mais il faut méditer. Qui le jour et nuit. Pas qu'il y ait un jour passé pour ne pas méditer la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous devez toujours appeler la Bible, appeler la chercher, comprendre, appeler l'évangile, appeler l'épître de Paul. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Pour qui ça? Ouais, là, on finit méditer la parole de Dieu, frères et sœurs. On finit gagner une connaissance de la parole. Et on a une connaissance de la parole, moun pa ka di n'importe qui bagay. Parce que vous connaissez qui volonté, bon Dieu, pour la vie. Lorsque des gens ont fait complot, tandis que vous avez besoin de avant, eh bien, vous connaissez la parole, bon Dieu, dit, la parole de Dieu te dit, s'il forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et tout en forgé contre toi sera sans effet. Et tout le monde qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Lorsque la parole, ça, ils ont dit, bon, avec la parole, ça, moi-même, je connais que, qui peut complot qu'a fait là, il n'y a pas qu'à atteindre moi. Et qui porte mon qui t'a levé contre moi pour Dieu défendre moi. L'homme qui t'a dit, on a dit, bon, soeur et tel, frère et tel, prenez un poudre. Frère et tel, soeur et tel, j'ai des bagages, frères et sœurs, m'a dit ça, ou pas de cruel comme chrétien. Et j'ai des bagages, même sous ta ouel, pas ouel. Même sous ta ouel, pas ouel. Même sous yeux, pas ouel, pas ouel. Ou chrétien, on s'est dit, bon Dieu, vous prenez un coup de poudre. Ou sorti puis on gratte ou ouais puis a commencé à entrer pas quoi c'est pas ça ou prions on imposer les mains sur pied puis au normal au nom de Jésus parce que qui s'est gagné dans connaissance là quel monde qui a dit ou des paroles frères et sœurs parole la journée c'est pour même quoi automatiquement ou même quoi et mais il arrive mais de pour refuser il pas arrivé et des fois c'est comme ça ennemi en jouer dans société là. Il utilise pile la parole. Il utilise des bagailles pour le dire et pour même pour le pousser au couel. Et là où même au couel, puisqu'au couel, eh bien la privée, la fête, j'en couel là. Ou même faut pour intelligent, frères et sœurs, pour refuser. Là où on a tout par exemple, ah, un tel maudit, un tel ceci, un tel cela, parlant de faire un bagaille gage, son bagaille d'amour, ou même qui finit accepter Christ, ou même qui connaît Christ à vivre dans vous-même, ou que Saint-Esprit, Dieu dans nous-mêmes, il faut capable de couper pour dire il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Donc il faut qu'il y ait la parole pour capable agir contre le découragement, frères et sœurs. Là, on a tout, pas jeune, pas poigné. Et bien, frères et sœurs, lorsqu'il y a la parole, il n'est pas bon, c'est pas, on ne va pas encourager au poids toujours, telle est la réponse de pour nous, une parole pour même pour toujours répondre. Mais il y a des paroles où on dit, l'objectif maintenant, c'est faire au même croire la parole. Lorsque la parole là, eh bien, au même, on agit selon la parole maintenant. Je vais vous donner un exemple. Je vous dis, ou même, et charité pour demander dans votre prince. On vous dit, c'est charité pour demander dans votre prince. Ou qu'on n'a pas de parler de charité dans votre prince. Ou qu'on ça. Mais dans le moment où on a dit, rapidement dans même ou qui doit prendre ou qui est dans la tête. On bonjour à chercher corps ou raseur. L'homme ou raseur pas un corps. Ou t'es une entreprise, entreprise à baisser. On qui ça qui a monté dans la tête ou? Ça m'a dans la tête. Oh, après pas un corps, même je dis encore, je vais demander charité. L'est comme ça. De pour t'as senti que l'esprit ou le capitaine, et bien ou même, ou de la parole est créatrice. Dieu a créé la terre et tout ce qui existe par la parole. Laisse à vous-même pour tête. Et pas pour mon nom, parce que mon nom a un pouvoir dans sa vie. Pour tête, pour ça, mon nom dit, pas entrer dans vous-même. Pour vous-même, pour ne pas accepter, vous obligez de rendre parole ça à l'impuissance avec une autre parole. Vous prenez une parole qui dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Donc, ni moi-même, ni descendant de ma chambre, j'ai déjà arrêté. Vous n'avez aucun message dans tête. Qu'on vit ou fait chemin avec ça, ou passer avec ça, c'est ça ou prend qu'on y a là, là on besoin penser à ça on a dit et ça qui vient dans tête.
En pile fois, nous-mêmes, nous prenons ça mon nan dire. Et c'est ça mon nan dire, des fois qui rive nous. Mais c'est pas parce que mon nan a un pouvoir, mais c'est parce que nous-mêmes, nous acceptons ça mon nan dire. Méditer la parole pour avoir la connaissance. Troisième bagaille, frères et sœurs, qui pour faire nous pas capable de reprendre force, qui pour faire nous reprendre force, pour faire nous pas décroiser encore, c'est servir à l'expérience passée. Frères et sœurs, expérience, bon Dieu fait avec vous. C'est lui-même des fois, lors d'une situation qui noire. Quand une situation arrive, on ne peut pas voir qu'on a sorti la gueule du tout. Quand une situation nous a retrouvé, frères et sœurs, nous avons même si tout le monde est là, nous avons été ensemble, nous n'avons pas résolu le problème. Même si tout le monde connaît, dans Port-au-Prince, dans la province, tu as été ensemble, nous n'avons pas résolu le problème. Quand on diagnostique, on ne fait pas le monde. Diagnostic, on fait qu'on a découragé, on a envie de tout mourir. Imaginez un monde, le docteur dit qu'il y a 2 mois pour vivre. Imaginez un monde qui pensait l'enceinte, et puis il est arrivé à l'hôpital, et puis le docteur fait test, le docteur dit: oh madame, vous faites quoi, vous êtes dans votre enceinte? Comment ça, vous le docteur a dit, vous êtes ça? Les paroles, ça prononce, par la vie, je dis: bim! On a tout fou, on a tout problème qui est pour que nous ayons un monde gagné. Mais, là, frères et sœurs, ou même faut vous servir avec l'expérience passée. Qui ça, bon Dieu, te fait pour déjà? Tout serviteur, servante qui a servi mon Dieu, toujours battre pour mon expérience dans mon Dieu. Et c'est l'expérience dans mon Dieu qui va permettre que dans chaque circonstance, vous pouvez rencontrer pour prendre. Frères et sœurs, pas caché de nous, nous avons traversé dans le moment ça, dans 2021 ça. C'est des bagages que Dieu t'a fait moi en 2010-2011 qui kembe nous. Dis bon Dieu, 2010 c'est pitu. 2011 c'est pitu et on agit. Donc, et pas dans ça, on pas agi. Faut qu'on capable de songer ça bon Dieu t'a fait pour reprendre. Et c'est ça David te comprend dans verset 34-35 là. David dit: wa, l'aime tes timons, n'a pas gardé mon ton papa mio. L'aime ouz fini. Les lions viennent pour aller au Nadeo. Et mais qui ça me fait? Je me à Lyon. Je tue Lyon. Je me à Oussa. Je tue Oussa. Donc si moi, je Goliath, ça arrive, même Jean, bon Dieu, t'es comme campé pour moi avec Oussio. Même Jean, bon Dieu, t'es comme campé pour moi avec Lyon. C'est pour ça qu'il a campé pour moi devant Goliath. Il a amené ça, bon Dieu, t'es comme fait pour lui dans le passé. En façon pour l'appliquer dans le présent. Mais on va ramener ça bon Dieu qui a fait pour dans le passé et on applique dans le présent. Laissez-vous pas décourager, frères et sœurs. Ça a bon courage pour avancer. Ça a bon force pour avancer. Et puis nous quand j'ai chanté ça qui dit: Dieu capable, faire encore et encore. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on a toujours un problème pour rencontrer. Et les problèmes à rencontrer, on a toujours à compter sur la preuve. Même je ne peux faire là encore, frères et sœurs. Quatrième bagage, frères et sœurs, c'est agir avec la foi. De nos jours, avec ça, on attendait, ça, on a gardé. C'est une bagage qui a dit qu'il manquait dans l'église, mon Dieu, hein, c'est la foi. La foi, frères et sœurs, nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, nous avons un bagage qui n'est pas naturel, puisque on va démontrer un bagage qui est beaucoup même moins. Lors agit par la foi, frères et sœurs, il faut vous refuser sa ouéa, son tendéa, et puis il faut accepter ça que vous connaissez, bon Dieu, à faire. Parce que si vous êtes arrivé, soit gardé à frères et sœurs, il faut refuser. Nous sommes en mois de novembre, les madames ont arrivé pour l'accoucher, 7 novembre. Nous, à 2h du matin, nous arrivons, madame ont étranché, ce n'est pas un problème, toute valise est déjà préparée, nous montons la machine,
passé clé, machine va mettre ça. 2h du matin. 2h du matin. Par contre, ça pour me faire, tout check, batterie, etc. Rien pas marché. La machine a marché bien propre et d'entrer avec l'après-midi. Dis, par contre, ça pour me faire 2h du matin, madame m'a dit, eh bien, attends, 10 jours. Je dis, j'en ai là, si vous ne pas attendre 10 jours, parce que c'est plus mal, il faut me faire un jour. Je cherchais, prie bon Dieu, je dis, prie bon Dieu, orienté pour son voisin pour me réveiller. Nous réveillons les voisins, hein? Le voisin dit, ah, je ne pas pour au printemps. Mais, une grosse machine n'a pas qu'il y a une machine tout neuf. Il n'est pas là, mais gardien, il dit gardien là, la pour gardien pour tes clients pour mal prendre machine pour mal l'hôpital. Et pour voisin qu'on est, pour nous qu'on parle avec, il est d'accord, il peut mettre nos machines à 2h du matin, bon Dieu déjà fait premier ou qui fait un passe. Là, nous arrivons à l'hôpital là, c'est une complication. Je dis, nous arrivons à l'hôpital là de 2h du matin, madame on vient accoucher jusqu'à 5h de l'après-midi. Donc de 2h du matin, il a accouché à 5h de l'après-midi. C'est pour montrer nous, frères et sœurs, que agir avec la foi. Mais nos prières depuis le matin, nous avons prié, si nous connaissons, nous guérons les voies. Bon Dieu, couche normal. Docteur vini fait diagnostic, etc. Bah, tout bagaille, accouchement pour café. Docteur a dit, pas rien, vous ne pas boire, c'est césarienne. Au deuxième métier, tout diagnostic médecin bail, c'est césarienne pour le faire. D'ailleurs, ils font attaque pré-éclampsie, ils ont dit pas rien, c'est césarienne. Donc, il a parlé, il a fait toute préparation pour césarienne. Je ne vais pas cacher, mon frère, c'est sur mon côté. Je dis, madame, c'est vrai, bon Dieu, je vais aller voir mon Dieu pour coucher normalement. Mais comme médecin, il y a un conseil à faire, peut-être que mon Dieu a dit, là, nous faisons césarienne, mais là, fait passer bientôt. Madame, elle dit, non. Je vais aller voir mon Dieu pour coucher normal, je ne vais pas faire césarienne. Mais là, moi, elle dit ça, je vais prendre courage moi-même. Et de quoi j'ai commencé à décourager, elle dit ça. Mais en même temps, je fais intellectuel dans le travail, je fais connaissance dans le travail, parce que le médecin expérimenté, il compte ça la dia, et il dit impossible pour le faire couche normal, c'est césarienne pour le faire. Donc toute réalité à devant, que c'est ça pour le faire. Donc, Madeleine, madame, dit non, il y a des voies pour Dieu pour couche normal, et pas faire césarienne. Nous prenons courage, je dis docteur, nous ne pas faire césarienne. On a fait couche normal. Donc, il a dit ça. Donc, il a dit qui ça? Il dit oui, moi, madame, moi, nous d'accord, couche normal, n'a fait pas faire césarienne. Donc, il a dit, ben, n'importe ça privé, pas responsable. Et docteur a viré la vie. Là, on est obligé à mettre plus dans la prière parce que on est maintenant dit docteur. Toute planification césarienne, on est à fond, on met de côté, finalement, c'est mon cathéter, on est embêté. Madame, on dit retirer parce que pas faire césarienne. Ils ne sont pas d'accord. Dimis, et lui, quand il souffre, il dit tout retirer, retirer. Il retire. On est arrêté, même à détruire dans mon doute quand on est tête. Et si il vit mal? Qui s'en met? Mais chaque fois que tout ça avait fini, je me remplace par la foi. Je dis, bon Dieu, on compte tout pareil. Et on compte qui promesse pour faire, les madame fait faire couche normal. On compte qui promesse pour faire, bon Dieu. On promesse que faire, bon Dieu, les madame fait accoucher. Eh bien, docteur, allez, dans l'après-midi, juste après-midi, qui ça, bon Dieu fait madame moins qu'un plus. Même médecin pas là, parce que médecin attend qu'il fasse planification pour relève pour vite faire césarienne. Infirmière seulement qui là. Infirmière seulement d'entrer dans sa accouchement avec madame moi et lui faire accoucher couche normale. Couche normale au nom de Jésus. Donc lève à garder ça bon Dieu faire frères et sœurs, parce que des bagages doit prêcher avec doit vivre deux bagages différents. De faire mon Dieu une promesse, de dire mon Dieu, je souffre madame moi, fais couche normale. Je couche à tel dans l'hôpital là pour m'applaudir. Je dis pas pour ma couche à tel dans tout le monde pour m'applaudir. Parce que si madame moi pas ta passer dans l'accouchement, je t'appuie la tête et même j'en tapis. Donc souffre, fais couche normale. Je couche à tel, je brûle pour m'applaudir. Mais on dit, à chercher bagaille pour bébé, frères et sœurs. Je couche à terre, je roule à terre, je me bats la femme, je dis mon Dieu merci. Je ne peux pas avoir le nom de mon Dieu. Parce que tout le monde a gardé ma honte, c'est pour mes samedis, mon Dieu. David n'a pas de gêné pour danser devant mon Dieu, pour la déchirer la vie. Je ne dis pas de gêné devant mon Dieu. Parce que si je suis dans un mauvais moment, si je suis dans un moment de tristesse, je suis dans un moment de roule à terre, je suis dans un moment de tristesse.
rien moi. Donc si ma poule a été ma femme, je dis personne ne m'a demandé rien. Je ne dis pas comme ça, je ne dis pas comme ça, passer à terre dans l'hôpital, ma poule m'a applaudi, mon Dieu. Parce que on connaît ça, mon Dieu, fait à frères et sœurs. C'est ça que me dit, nous, agir la force dans tout bagage. De nos jours, frères et sœurs, ça empêche nous agir la foi. Nous. Nous avons constaté, ça empêche les chrétiens agir la foi, c'est la peur. Yes. Et nous-mêmes, comme prédicateurs des fois, nous prêchons plus la peur que la foi. Même pour faire offrande, il ne faut pas faire offrande parce qu'on connaît que son travail, mon Dieu, a béni. Non, ou pas parce qu'on a la foi, mon Dieu, bah, ou dit mon Dieu merci. Amen. Mais si on baille parce qu'on peut, mon Dieu, pas fermer le van. Non, là, on ne peut pas baille, mon Dieu, pour baille là. Même la même baille, on baille, offrande, il faut baille par la foi. Depuis moi, agis, frères et sœurs, c'est peur qui motive ou pas agir selon la volonté, mon Dieu. Tout ça, on va faire, on peut faire par la foi. Et on va agir par la foi, on va agir avec assurance, on va agir avec une grandeur d'âme, on va agir avec confiance, on va agir avec assurance parce qu'on connaît, on fait ça, c'est pour la gloire de Dieu. Même pas faire parce que mon Dieu a béni. Pas faire offrande parce que mon connaît si papa est ma pauvre. Là, si on fait ça, on va agir par la peur. Et la peur, depuis cette peur qui motive au fond, bagaille, frères et sœurs. Peur a grandi, a grandi, a grandi, a grandi. Et finalement, on va pouvoir sortir peur. Faut qu'on agisse par la foi. Et ce que j'aime dire, frères et sœurs, qu'il y a des bagailles où on vit, où on est dans l'hôpital là, où on est couché malade. Mais la foi, on doit être guéri. Faut qu'on voit qu'on est que vous voyez un monde qui est malade, presque mourir. Il y a un comment il dit, il est très bien grâce à Dieu. Oh, il est très bien, oui, il est très bien. Il souffre de bien, il a marché dans l'hôpital là. Oui, pendant que je te l'ai regardé, où est couché sous la main de l'hôpital là. Mais la foi, on faut dire que il est campé. Et sans croyance, c'est lui-même, moi, ouais. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Faut croire, frères et sœurs. En plus, on a prié, mais découragement fait que nous pas ouais ça nous voulait. Il faut vivre tant que vous gagnez. Ou besoin de vivre tant que vous gagnez. Il ne faut pas douter du tout avec foi. Moi, je dis, c'est refuser son ouais dans la foi. Et puis, c'est prononcer et puis vivre la promesse de Dieu dans la vie, aux frères et sœurs. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Et quand je dis ça, frères et sœurs, il y a dernier bagage, c'est rester fixé sous objectif pour vous. Je dis que ça, il y a plein de monde qui vient mener des combats en face. Mais on a venu ici avec un seul objectif. Et pas pour vaincre, et pour décourager. Nous avons connu leur décourager, ou même pour risquer pas à prier. Je dis que je suis malade, mon voisin, voilà, la voisine. Je suis venu côté. Oh, comment allez-vous faire malade? Et ma chrétienne, nous, hein? Quand ça vient de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Oh, qui je madame vous fait malade? Et pas chrétien, nous y est, pas prier, n'a prier. Franchement, frères et sœurs, dans le moment où je dis que la tombe dans l'estomac, et dans le moment où l'hôpital vient déposer madame, je viens prendre bagaille là, parce que les malades sont là, je viens prendre la grâce, je viens prendre bagaille pour me courir tourner l'hôpital là. Madame, non, mais tout, ouais, il a des bagailles là, quoi ça dans l'estomac? Gardez-le, mourir. Je ne sais pas comment tu fais ça. Soit il n'y a pas de monde pour convaincre. Son temps qui a passé. Et puis ça pour régler, on va régler lui. Je ne sais pas comment son distraction liée. Il ne faut pas qu'il te distrait. Il ne faut pas qu'il te distrait, frères et sœurs. Je vais terminer avec nous sur l'histoire de Néhémie. Toujours dans la question de découragement. Je vais faire nous comprendre que Néhémie, il a gagné un combat qui était différent de par David. Là. David lui-même, les limites de courage, David prononçait parole contre parole. Les gens ont dit David, normalement que nous allons les oiseaux du ciel manger, manger, parce que nous allons tout y aller. David s'est dit, s'il aime parole, ça en lui-même, parole n'a pas fait bien, et depuis qu'il aime parole là, il risquait. Quel qui a David dit? David dit que, je dis à même, l'éternel livré au nom même. Je dis à même l'éternel livre. Ouais, il changeait parole pour y là, il remplaçait pour notre parole. Parce que s'il aimait la parole là, il risquait quoi? Il risquait quoi? Donc il a changé parole là. Pendant que Goliath vient dire ça, il a tout changé parole là. Il dit, ouais, je dis à même l'éternel livre au nom même. Donc, qui s'est venu dans la tête? David, je dis à même l'éternel livre au nom même. Donc, chaque fois qu'il pense à Goliath, il a dit,
l'a dit l'Éternel, livré au nom même. D'ailleurs, qui ça le vient? Il vient à bâton, il vient à festival, parce qu'il vient pas de bête. Il va venir à gros javelot, gros épée. Donc, dans l'esprit David, tout, David minimise Goliath. David voit Goliath comme un petit chien. Et puis, nous, l'Éternel, met au seul. Même Goliath pas dit ça. Il dit, est-ce qu'on prend pour chien? Parce que moi, marche à bâton. Est-ce que c'est pour chien qu'on prend? Donc, dans l'esprit David, il parle de géant, tout le monde a regardé. Dans l'esprit, il faut pas de problème, tout le monde a regardé. Dans l'esprit, il faut pas de difficulté, tout le monde a regardé. Mais dans l'esprit, il faut être grandeur, mon Dieu. C'est grandeur, mon Dieu, pour être. Et puis, pour être problème dans tout petit de moi. Problème dans tout petit, mon Dieu, mes grosseurs. Problème dans tout petit, mon Dieu, mes grosseurs. Et qui ça, David fait lui-même avec un petit wash. David touille Goliath. C'est pour ça que David remporte la victoire. Mais Néhémie lui-même combat pas la différence. Il était un géant devant tout. Mais Néhémie apprend que muraille Jérusalem détruit. Néhémie m'a dit tout moyen nécessaire pour congé pour la capable reconstruire muraille là. Mais qui s'est passé? Néhémie arrive à Jérusalem, premier salve, il voit avec l'ancien, il voit magistrat. Et puis Néhémie assure que il va commencer le travail là. Qui s'est passé? Premier obstacle que Néhémie gagne. Il a fait Néhémie connaître que il y a plusieurs peuples qui vont attaquer. Nous avons Sambala, nous avons Tobija, nous avons Geshem. C'est trois gros ennemis, Néhémie, qui voulaient réaliser le projet. Le projet là, qui s'allie, c'est construire un là, mais ils ont pas l'attaquer. Pour qui ça a fait ça? L'Éternel avec Néhémie. Néhémie priait pour Mirai là. Mais pour qui ça? L'autre nation, ça y est, même il a fini attaquer. Parce qu'ils ont besoin d'Israël. Ils connaissent l'Éternel à combattre pour Néhémie. Mais si Néhémie lui-même quitte l'œuvre là, Néhémie prend un soldat, là dans la guerre, les brigades roumaines dans la guerre, lui remporte la victoire, il est content, mais pendant le content, il perd du bataille là. Qui bataille lui-même? Parce que c'est pas ça qui est guerre par là, travail par là, il est construit Mirai là. En plus, frères et sœurs, nous avons goûté nos combats, mais tandis que les gens qui ont goûté avec nous, ils ne connaissent pas le travail, non? Ils ont quitté nos batteries pour nous penser à créer victoire, mais même objectif pâle. Bataille pâle, c'est le fait que ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas faire. Et ton distraction, le pays. Les gens ne disent pas prendre une distraction, ça. Ils ont dit qu'il y a une attaque, qui ça le fait? Ils disent qu'ils ont pleuvé le bloc là à Yon, mais ils ont pleuvé le pays avec un bloc, mais ça a été équilibré. Lors de difficultés, on est sorti pour distraire. Pour la fois, imagine on pressé et pour mon lui-même, on a remis les sacs sortis pour le jouer. Et les sacs sortis pour le fond avant, parce que quand on a l'important, il part de l'arrivée là. Lors même, on fait qu'on a bien mettre pour lui remporter, tout le monde a raison, etc. dans la discussion, mais quand on a pris l'arrivée, on n'a pas arrivé là. Il faut qu'on soit capable de comprendre, frères et sœurs, dans l'histoire ça, n'est-ce que mon épée armée, mon yon a mis bloc armé. Tout le monde a des armes pendant qu'il a construit. Donc, ou même dans l'objectif pour faire ces choses, ou qu'on bagaille que bon Dieu voulait faire avant en 2021, ça, ou qu'on projet qu'on veut réaliser, l'on a difficulté à arriver. C'est vrai qu'on va laisser résoudre, mais continuez, continuez dans ça à faire. Pas décourager dans ça, bon Dieu, confier au faire. Pourtant, est-ce qu'on a déjà attaqué l'ennemi? Non? Les apprennent que Néhémie, tout seul, tout le monde a travaillé, épée à la main, il y a plus de travail. Ils n'ont pas attaqué. Ils utilisent l'autre moyen pour là. Ils accusent Néhémie. Ils vont dire Néhémie, ah, nous apprennent que on va faire complot contre toi. Et qu'on a besoin de noir. Nous faisons ça pour vous. Si vous avez dit ça, vite jouez nous pour nous chita, pour nous parler, pour nous expliquer qui nous a passé. Est-ce que Néhémie a fait complot contre toi? Non. Mais qui ça Néhémie pour répondre? Néhémie prend le sang pour bien répondre. Néhémie va dire, c'est ça nous délit à l'heure, frères et sœurs, le verset 9 là. Néhémie dit, je puis répondre à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'heure ne se fera pas. Donc, l'objectif, c'est de faire Néhémie décourager pour camper ce travail-là. Néhémie, Chita, Junior, de nos jours, pour nous, depuis, accusons mon cap. Nous avons été prêts à buster le cap pour la défendre. Nous avons accusé la locale pour la défendre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. C'est quitter mon Dieu parler pour nous. C'est distraction sur ça, on va faire allier.
Si on marche tout côté, on accuse, on peut défendre, on peut régler rien. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le vrai. Mais nous disons pour une bonne occupation. Nous avons cherché une bonne occupation pour toujours défendre, pour toujours défendre. Là encore, nous essayons une troisième brise avec Némi. Nous disons Némi, nous disons que nous allons attaquer. Mais la souhait qui attaquer, c'est vous-même qui allez prendre. Ouais, comme ça. Entrez là-dedans, à cacher là-dedans. Au moins, vous ne pouvez pas prendre là-dedans. Mais Némi, qui a connaissance à l'époque, Némi, pas sacrificateur, Némi, pas de droit entrer dans la partie ça, dans le plan pour la cacher. Donc, automatiquement, Némi est entré par peur. Il a violé en loi à l'époque. Il a violé en loi, donc Némi a vu en face de Dieu. Il a vu en face de l'éternel. Puisque tu as violé en loi, frères et sœurs, pile fois, c'est ça, il m'y a poussé nous pour nous faire. Gros bagaille, nous ne pouvons pas le faire. Gros poteau, nous ne pouvons pas nous aller. Mais on dit que c'est seul là où j'ai une solution. Et puis par peur, par crainte, ou qui t'ont emporté. Ou qui t'ont emporté. C'est pour ça que les gens à droite, les à gauche, les ici, les l'autre bord. Mais frères et sœurs, c'est Saint-Esprit, mon Dieu, dans où? Là, nous venons en communion, c'est pour nous encourager l'autre. Mais l'autre vient là, c'est vrai qu'on a des moments de découragement, des moments de faiblesse. Mais comment se chercher pour Dieu depuis avant de venir là? Ou un monde qui vient là, depuis avant de venir, qu'on est venu chercher pour Dieu, l'aile sortie, la sortie remplie. Parce que, et pas parce que là, il vient pour Dieu, non? Il sort de la caille avec détermination. Bon Dieu, t'avais la caille. Bon Dieu, avoir le service. Ou après tout, la caille, bon Dieu, avoir. Le travail après la semaine, bon Dieu, avoir. C'est ce que bon Dieu, avoir. Pas quelqu'un qui connaissait avec Dieu, on va le confiner pays encore. Donc, il faut vous assurer au courrier pour Dieu en dedans. Et il faut que la parole de Dieu, frères et sœurs, vous soyez convaincu de ça. Parce que c'est parce que des fois, nous qui crainte qui fait la courrier à droite à gauche. Des situations là, frères et sœurs, il faut qu'on dise tout. Bon Dieu qui crée ciel là, bon Dieu qui crée terre, bon Dieu qui crée tout le bagage là. Même lui-même, c'est lui qui crée l'ennemi. Il ne va pas créer l'ennemi, mais lui-même qui crée. Donc, il n'est pas qui pour la gourmet à l'ennemi. Là seulement dit tomber et puis tomber, camper, il camper. En plus, fois quand dit nous ça, frères et sœurs, dans l'esprit nous, la parole de bon Dieu, nous quand presque ouais c'est un coup qui est deux camps. Mais bon Dieu camper son chaise et puis mais Satan camper son chaise et puis tant que nous même nous en même temps. Il pas comme ça, frères et sœurs. Mais bon Dieu en l'air et puis mais Satan pour ça. Et à la croix qui ça Jésus fait. Eh bien, à condamnation qui te condamne moi. Jésus déchire la croix. Et qui ça le fait? Il va nous autorité sous toute puissance des ténèbres. Donc ça veut dire que même pouvoir, mon Dieu, gagne sous Satan, il vient nous nous même pouvoir ça. Donc si nous avons échelle, nous avons dit, mais mon Dieu, mais nous-mêmes et mais Satan. Et qu'on s'allie, frères et sœurs, comme chrétiens. Mais en plus de fois, les n'ont gardé. C'est ça qu'on dégage tout. Ils ont avec nos bouteilles. Et puis, on poule. Est-ce que poule n'a qu'à manger avec la dans bouteille là, non? Si la cherche à casser bouteille là, il peut plus qu'à casser. Mais, qui ça la cherche à faire? La batte, la batte, la batte, la batte, ou n'y a qui ça la cherche à faire? La cherche à faire pour avec la peur pour sortir de bouteille là. Et ça la cherche à faire. Faire avec la peur, puis des fois nous tellement de monde, on fait ceci, on fait cela, et peur à chercher pour peur. Et tout frères et sœurs, faut vous pas peur. Il faut agir avec la foi. Il faut agir avec quelles circonstances on a vécu. Il faut vraiment qu'il y ait la foi. Il faut toujours prêt pour avancer, frères et sœurs. Pas quitter ça, attendez. Pas quitter ça, ouais, décourager. Mais toujours battre pour même pour agir avec la foi. Frères et sœurs, nous sommes allés ensemble là, je dis, hein, qui ça qui souvent fait que nous décourager dans la vie. Découragement, c'est une bagaille pour retirer dans la vie. Retirer des courages net, l'eau les décourager, retirer. L'eau parole, ou attendez, les décourager, retirer parole là. L'eau soit gardé comme problème dans la vie, retirer devant. L'eau manquer prier. L'eau manquer connaissance la parole de Dieu, écrions ces deux versets. Mettez-le dans le caillou, mettez-le dans la chambre. Pour ça, l'eau fait lever. Par exemple, moi, je fais lever, je garde un verset qui dit nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Donc, qu'importe manque d'arrivée pour dans la journée, les faits lever moi, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement.
Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Lorsque vous gardez parole, ça vous fait, sœurs, lorsque méditez, lorsque commence une journée avec vous, qui peut nous faire une baroua, ou se sont armés, ou prêts pour continuer une journée. Pour faire, pour ne pas quitter le décourager, mais plutôt pour reprendre courage. Pour vous prier sans cesse, sans relâche. Priez en communauté, priez en famille, priez tout le temps, priez seul. Et même tout ça, là, quand vous ouvrez leur prière. Vous priez en famille, mais nous, chaque famille, nous devons l'heure pour nous prier individuellement. Et souffler donc, pas pour tout le monde dans la famille, pour qui leur prie. Quand ça dépend de la prière, quand on a leur prière à l'arrivée, il faut que vous priez sans cesse. Il faut que vous méditez la parole de Dieu jour et nuit. Et pour servir à l'expérience passée. Servir à l'expérience pour songer qui ça, mon Dieu, t'a fait. Et pour qu'on dise, mais ça l'a fait, et mais qui ça le pral fait. Et il faut agir avec la foi. D'ailleurs, nous parlons de bouclier de la foi dans les armes spirituelles. Bouclier de la foi, pour capable de tous les 13 enflammés du mal. Frères et sœurs, la foi, la foi, la foi. Des fois, il faut qu'on ait la foi pour nous dire fou. Mais il faut qu'on ait la foi. Pour qu'on ait la foi, tout le monde voit qu'on a besoin de bébé. Et pour même on ait été acheter des choses bébé, alors que tout le monde voit qu'on a un bébé. Tout le monde voit qu'on même on parle de caille et pour même on parle de caille. Tout le monde voit qu'on parle de machine alors qu'on même on parle de caoutchouc, machine de rechange. Ou pour qu'on ait une machine, non, on va parler de batterie de rechange, on va parler de caoutchouc de rechange. Ça, c'est la foi, frères et sœurs. La foi. J'ai tant goûté qu'il y a un well déjà. Tant goûté qu'il y a un well. Et finalement, frères et sœurs, obstacle à venir. Radio là pour ça. Radio là pour décourager. Radio là pour tout la vie de mal. Radio télévision là pour dire que nous ne pas sauver. Que nous ne pouvons pas dire que pas besoin de porte la caillou, acheter bloc, tout poser serré dans la caillou, fermer cordon, mettre moitié, retendant parce que vous mettez découragé. Haïti pas gagné espoir, ou même pas gagné espoir. Mais qui t'aime dire pour nous finir, frères et sœurs. Qui porte son pandéa? Qui porte son ouéa? Qui porte son état passé dans le pays? Connais ou même son mon appât? Connais ou même plein pays, c'est pas plein pao. Plein mondial, c'est pas plein pao. Plein bon Dieu pour son plan de paix, un plan de gloire. Au plein de victoire et la bénion en abondance au nom de Jésus. Que mon Dieu